DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle de ce tirage au sort maintenant de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC trouvent maintenant un moyen de rebondir après avoir manqué la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 et le Mondial 2022. Les Léopards, rappelez-vous, éliminés au barrage par le Marocain, un but partout à Kinshasa et 4 buts à 1 pour le Marocain à Casablanca lors du match retour. Pas de qualification en Coupe du Monde pour les Léopards, mais il faudra maintenant voir l'avenir et penser comment gérer l'équipe ou encore sélectionner les joueurs. Les tirages au sort a été effectué. La RDC est logée dans le groupe I ensemble avec le Gabon de Gaylor Kanga, la Mauritanie ainsi que le Soudan. On en parlait à l'ouverture, Zenovic. Des retrouvailles explosives entre Congolais et Gabonais attendues à Kinshasa et peut-être à Libreville ou Franceville. Exact. Nous savons tous que voilà, il y a eu cette élimination de la RDC lors des éliminatoires de la CAN qui s'est joué au Cameroun. La RDC était battue au Gabon 3-0 après le nul des 0 buts partout. Et ce feuilleton Gaylor Kanga, nous savons tous que la RDC est allée même au niveau de la CAF pour essayer de chercher cette qualification dans le bureau, puisque nous connaissons tous l'origine du joueur Gaylor Kanga. Seulement, cette fois-ci, nous avons tout le temps, nous avons un mois et demi pour préparer ces éliminatoires. C'est vrai que Cooper est resté, c'est vrai que Cooper connaît le milieu, maintenant l'entourage, la tanière, il aura la même mise sur la sélection qui va donc jouer ses éliminatoires. Mais la grande question que l'on se pose, quel est le projet, quel est le projet actuel des Léopards de la RDC? Quel est le projet de la République démocratique du Congo pour ces éliminatoires? Puisque lors des éliminatoires du Mondial, on nous a dit l'objectif c'était d'aller au Qatar avec ce slogan à Qatar on arrive. Et là, est-ce que on va dire à Abidjan on arrive? Quel est le projet exact? C'est la question que l'on doit se poser. Le projet exact pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, plutôt Côte d'Ivoire 2023, Bob Richard Makanalele, d'abord à regard de ce groupe, est-ce qu'on peut tomber dans le même problème que lors des éliminatoires de la CAN 2021? On s'est dit, il y a la Gambie, il y a le Gabon, il y a l'Angola, il y a la place pour la RDC de terminer parmi les deux premiers pour pouvoir se qualifier à la Coupe d'Afrique. Mais finalement, on n'a fini que troisième derrière la Gambie qui n'avait jamais auparavant pris part à la Coupe d'Afrique des Nations. Jonathan, Bob nous avait amené vivement Qatar. Vivement Qatar, mais qui n'était pas prêt. aux yeux. Lui, c'est il est millionnaire en idée. Ouais, il peut sortir un slogan. Il peut sortir un truc encore. C'est le moment, Bob. Non, mais nous avons proposé un slogan. Nous avons proposé un concept, parce qu'au-delà du slogan, c'est tout un concept qu'on a proposé. Parce que le slogan à lui-même ne suffit pas. Sinon, ça serait creux. Nous avons proposé un concept, mais qui malheureusement n'a pas été accueilli, parce que il ne suffit pas de dire A pour que A soit A. Il faut créer du contenu autour du slogan. Exactement. Vous avez vu, au-delà d'être accepté localement, au-delà que l'idée soit acceptée localement, nous avons fait vivre Paris. Nous avons réuni les Congolais de la diaspora, comme on aime les appeler. Les gens, pour les deux matchs, nous avions une salle pleine à Aubervilliers, pour ceux qui connaissent la ville de Paris. Nous avons réuni, pour nous, c'était pas vraiment ça, mais c'était une réussite, parce que nous sommes allés jusqu'à la fin avec notre idée. Donc nous profitons de vos micros pour dire merci à toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de cette campagne Vivement Qatar au niveau de l'espace Schengen. Donc et toute l'équipe Gros Africa ici qui a aussi travaillé pour que nous puissions avoir ces résultats. Maintenant, revenons à votre question par rapport à notre groupe I. Le Congolais, naturellement, nous avons une certaine, nous avons un certain complexe de supériorité.
Nous aimons trop juger sur papier. Quand on voit les équipes, quand il y a tirage au sort, nous nous basons sur ce que nous voyons parce que nous restons sur ce que nous avions fait dans le passé. Alors que le football est un sport qui est en train de se développer, qui prend vraiment de la vitesse, et que les choses ne sont pas comme elles ont été 20 ans passés. Aujourd'hui, pour moi, la Mauritanie, pour avoir participé à la dernière Coupe d'Afrique, constitue peut-être un danger pour nous. Les autres ne le verront pas comme ça. Je vois le Soudan, un pays qui, chaque fois, envoie des grandes équipes en compétition interclub et qui arrive à des niveaux considérables. Donc, ce sont des équipes à prendre au sérieux. Nous, déjà, après la débâcle qu'il y a eu, on devrait d'abord, vraiment, honnêteté intellectuelle oblige, on devrait d'abord faire une restitution, c'est-à-dire honnêtement, c'est-à-dire je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit, mais même pour une mission de service, Jonathan Massiala ou Genovi, quand vous voyagez pour le compte de Top Congo, quand vous revenez, vous faites le rapport de mission. Exactement. Le rapport de mission, c'est vrai qu'on ne va pas faire ça à la radio, mais au moins rendre public, parce que la sélection nationale n'appartient pas à la fédération, elle appartient à tous les Congolais. Vous êtes là parce que nous tous, on ne peut pas travailler à la fédération. Vous qui êtes là, rendez quand même compte, parce que nous avons partagé ces rêves-là, cette ferveur-là, nous l'avons partagée ensemble. Rendez quand même compte de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Là, on va commencer notre aventure. Sur quelle base on va commencer la nouvelle aventure? Parce que les conclusions de l'ancienne aventure, on ne les a pas tirées. Donc, je souhaite bonne chance à nos léopards, mais je crois que c'est vraiment important qu'on puisse ne fût-ce que nous dire, même par formalité, bien que la fédération ne nous doit rien, nous autres comme opérateurs sportifs ou peut-être amoureux du football, ils ne nous doivent rien, mais ils doivent, mais pour des raisons protocolaires, ils doivent nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les décisions qui ont été, les mesures qui ont été prises pour que cette fois-ci ça puisse marcher. Le football, ce n'est pas les hasards, Massiala. Le football se prépare, les choses se préparent. Vous avez vu comment le Gabon a joué sans ces deux cadres écartés du groupe, mais vous avez vu le football que le Gabon a joué. Maintenant, nous, au nom de quoi aujourd'hui le Congo, on peut espérer à commencer ces éliminatoires pour Abidjan, on arrive et puis après, pour quelle finalité après? Abidjan, on arrive, c'est pas encore de retenue. Non, mais c'est que je me dis, je crois que c'est Jérémy qui a lancé. Ouais, ça, c'est mon slogan. C'est son slogan, Abidjan, on arrive. C'est-à-dire, vraiment, déjà par rapport au groupe, moi, je sais que cette émission est très suivie. Déjà par rapport à la communication, j'insiste, je continuerai à insister. Comme Cooper est retenu, on doit faire un effort. On n'a rien contre le monsieur qui est en train de faire l'interprète de Cooper, mais Jonathan Massiala, excuse-moi, tu peux bien faire ce travail-là. tu parles espagnol autant que moi, tu peux bien faire ce travail. S'ils ne veulent pas de Jonathan Massiala, moi personnellement, gratuitement, je vais le faire parce que je vais faire Vita. Parce que c'est important. C'est important. La communication, c'est la clé. C'est-à-dire, on ne va pas se lancer dans une aventure où on compte sur un joueur. Vous n'allez pas le faire gratuitement puisque l'interprète actuel est payé. Donc, non, mais c'est juste du sarcasme. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui peuvent faire ce travail. Exact. Donc, la communication, c'est la clé. Le message de coupure peut-être ne passe pas assez bien. Donc, on peut peut-être critiquer le pauvre, mais il y a un problème de transmission qui est très important. Et après, revoir le groupe. Revoir qui convoquer voilà quoi. Donc ce sont là, je crois, les choses à faire, c'est-à-dire d'abord faire vraiment une restitution de ce qu'a été la qualification pour les barrages, pour la Coupe du Monde qui n'a pas été le cas, et à partir de là rendre quand même compte, même pour besoin de la cause au public, hein, de ce qui a été fait, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous entrevoyons pour l'avenir. Et à partir de là, c'est pencher sur les autres questions comme la sélection, comment ça va se passer et tout ce qui vient après. Allez, Olivier Pengongo, RDC, Gabon, Mauritanie, Soudan. C'est un groupe qui semble être à la portée de la RDC pour terminer en tout cas parmi les deux premiers et s'est qualifié pour Côte d'Ivoire 2023. Mais il y a déjà un précédent, ces éliminatoires de la CAN 2021 qui peuvent beaucoup nous enseigner. Je crois que c'est tellement facile dans les imaginations à la congolaise de prétendre qu'on est la meilleure équipe, on a un meilleur niveau. Nous avons certainement beaucoup de joueurs de qualité, mais nous n'avons pas une équipe. La preuve, c'est que même quand on était sur papier ce mois de mars contre le Maroc, les Congolais pouvaient être, même en international, on pouvait s'imaginer que le Congo avait la meilleure des équipes à ce niveau-là. Mais malheureusement, notre ignorance, c'est le fait que le football reste un jeu où il ne suffit pas seulement d'avoir des joueurs, mais d'avoir un fond de jeu, une organisation, un bloc équipe, et une pensée.
ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. De ces groupes, je crains que psychologiquement, le Congo soit les derniers. Déjà d'abord avant l'entame. Parce que quand vous avez un Gabon qui vient de vous faire une canne très honorifique pour l'image du Gabon, quand vous voyez une formation mauritanienne qui met beaucoup d'énergie pour se retrouver à la canne, avec une pensée de mieux faire une fois qualifié, quand vous avez les Soudans qui, lors de la dernière CAN 2019, vous ont amené le U20 pour apprendre le haut niveau, vous comprenez tous directement qu'ailleurs, nos adversaires ont un plan de travail. Mais qu'est-ce que le Congo a? Le Congo a les potentiels, un peu comme dans d'autres domaines de la vie. Mais ces potentiels formalisés en équipe posent problème. Cooper, qui vient d'échouer récemment avec ses éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est pas audité. Personne n'a pris le temps de pénétrer le plan de travail de Cooper et de s'assurer qu'il est capable de faire mieux. Nous avons très vite sombré par une déclaration du gouvernement disant que nous renouvelons notre confiance au staff technique, ce qui est trop facile et trop simpliste pour un État qui doit rêver meilleur avec les potentiels que nous avons. Donc, zéro regret, automatiquement, on constate seulement que le gouvernement reconduit parce que ça trouve qu'il y a eu de bonnes choses. Je crois que c'est trop facile. Nous ne sommes pas assez exigeants envers nous pour qu'on améliore ou pour qu'on fasse mieux. Le pire, c'est que même une toute petite disposition, même le paragraphe souligné dans le communiqué du gouvernement qui disait qu'il fallait au minimum une investigation pour évaluation de ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait. Même ça, ça n'a pas été fait. On est tous surpris qu'il ait reconduit. On a renouvelé notre confiance. Donc, nous avons oublié que le football est d'abord technique, il est d'abord sport. On a sombré aux appréciations politiques et administratives. Et ça, je crois que c'est encore... Il est encore temps que l'on puisse se ressaisir. J'aurais voulu personnellement voir Cooper revenir s'il voulait continuer avec nous, automatiquement après cette élimination, pour réfléchir avec la nation comment repartir sur de bonnes bases. Le MSC se permet de nous quitter à partir du Maroc, qui rentre chez lui, tout bonnement assis, et un matin on l'appelle, on t'a reconduit. Je me demande quel est l'état d'esprit aujourd'hui de Cooper. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de la tanière des léopards? Personne ne peut affirmer aujourd'hui que tout va bien, ou il y a une pensée, ou un concept, ou quelque chose. Nous avons match le 30 mai, on est à 30 jours, parce que Cooper ne sera pas là avant 30 jours. Mais il devrait être là, il devrait être là dans le prochain jour pour d'abord évaluer ce qui n'a pas été lors des éliminatoires du Mondial 2022. C'est sans pression, c'est une très mauvaise évaluation, c'est sans pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas crainte qu'il puisse perdre son travail. Une évaluation conséquente aurait voulu que ça se fasse bien avant qu'on lui signifie qu'on va continuer ou pas. C'est-à-dire qu'on apprécie à juste valeur. Si ce que vous avez fait, est-ce que vous nous expliquez de faire ce mari? S'il n'y a pas mariage, si on sent vraiment une fracture entre ce que tu penses vouloir et proposer et ce qui a été fait, la logique voudrait qu'on ne s'engage plus avec toi. Mais les 7 jours du contrat qui nous laissaient la possibilité d'échanger avec Cooper n'ont pas été utilisés à bon escient. Les pays avantageaient les 7 jours sans que l'on interpelle la personne. De la FECOFA au ministère des Sports, personne n'a pris l'initiative de s'impliquer de manière à ce qu'on s'assure, à évidemment convaincre cette opinion, parce qu'il s'agit quand même de l'argent du contribuable congolais qu'on investit sur ces léopards, parce que ces léopards devaient donner du plaisir à la population. Il y a eu mort d'homme parce que les léopards ont échoué, mais personne n'a pesé logiquement ce que ça valait pour qu'on continue dans la même logique. On prend les mêmes et on répare, comme si de rien n'était, comme si c'était aussi simple que ça. Et je crois que dès là, nous ne laissons pas une bonne impression. Nous n'avons pas laissé une bonne impression. Et si on ne trouve pas un moyen de vite recadrer les tirs et s'assurer que cette fois-ci, on a réuni les minima nécessaires, on pourra
que l'on ne soit pas décis, il faudrait qu'on puisse revenir maintenant là et réfléchir deux fois. Je vois cette équipe gabonaise qui s'est permis de lâcher Aubameyang, que l'on voit aujourd'hui goleador à Barcelone, pour un comportement qui n'était pas intéressant. Mais après faire une canne comme le Gabon l'a fait, c'est héroïque pour ce pays. Le peuple gabonais est content de sa canne. Le peuple gabonais est content d'avoir battu la RDC 3-0 dans un match archi dominé. Mais qu'est-ce que le Congo a pour reconduire? Qu'est-ce que nous avons pour reconduire? Qu'est-ce que nous avons dans notre dent là de Cooper pour le reconduire? Qu'est-ce qu'il nous propose, qui nous rassure que demain on peut battre cette formation gabonaise? Parce que bien qu'on commence à domicile, mais nous savons que le Gabon a déjà une équipe. Le Gabon n'aura qu'à appeler son effectif et l'entraîneur peut s'asseoir sur le banc et demander à ses joueurs de refaire ce qu'ils ont fait contre telle équipe ou telle équipe pour avoir un plan de jeu. Mm-hmm. Mais les Léopards n'ont pas de match référence avec Cooper. Il n'y a pas de match référence. Même les matchs qu'on a gagnés, on a été dominés. Le match où on a été dominateur, on a perdu face à Madagascar. Face à Madagascar, justement. Allez. Être à son aise. On va écouter Olivier Pengongo. D'abord la réaction de Daoula Lupembe, qui est un des adjoints de Hector Cooper dans cette équipe nationale de la RDC. Il a été joint par Genovi Comboa. Eh oui, on est peut-être habitué à l'écouter dire ça. Exact. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de tirage facile. Allez, on l'écoute. Je pense que c'est connu de tous qu'il n'y a jamais du tout de tirage facile ou de poules faciles. Les adversaires à ce niveau de la compétition se valent. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est voir comment est-ce que nous pouvons rentabiliser les temps qui nous restent pour pouvoir bien préparer et voir comment est-ce que nous pouvons faire un bon résultat, c'est-à-dire nous qualifier pour la CAN. Comme vous le savez, ça fait longtemps que nous ne sommes pas représentés là-bas. Connaître les adversaires, c'est bien, mais travailler en fonction des adversaires pour pouvoir être qualifié, c'est aussi une autre chose. À un mois, à pratiquement un mois et quelques jours, qu'est-ce qui doit être fait, vous, en tant que sélectionneur adjoint de la RDC? Loin de moi l'idée de nous ramener ou de rentrer en arrière, mais je pense que la RDC, c'est pas un vide. Nous ne sortons pas d'un vide. Nous avons connu des bonnes choses tout comme des mauvaises, et maintenant c'est le moment de continuer à travailler sur ce qui n'a pas été dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, voir comment est-ce que nous pouvons repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire nous avons pratiquement des joueurs congolais qui jouent un peu partout, devons savoir les choisir pour pouvoir faire une bonne sélection et jouer ces matchs-là honorablement, avoir suffisamment de temps pour pouvoir préparer ces échéances-là. On devra attendre à plusieurs changements dans le groupe, ou on va garder le même groupe qui a joué les éliminatoires du Mondial? Non, je ne dis pas on va garder le même groupe, je ne dis pas non plus qu'on va tout chambouler, mais je pense que on a tiré des leçons, on a vu des choses qui se sont passées, comme je l'ai dit, il y a eu des bonnes comme des mauvaises, donc nous avons du pain sur la planche, comme on l'a dit. Du pain sur la planche, surtout pour composer l'effectif. Quand on connaît la tempête qu'il y a eu dans la tanière après la non-qualification de Léopard de la RDC à la Coupe du Monde, notamment, cette annonce quasiment réelle maintenant de Cédric Bakambou d'une retraite internationale, même s'il ne l'a pas dit, hein, à vive voix, ou encore avec le mot juste, pour dire justement que je ne viendrai plus en équipe nationale et je prends ma retraite internationale. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, oui. Mmh. En écoutant ou encore en lisant ce qu'il a pu écrire, on peut bien dire qu'il va s'éloigner un tout petit peu de l'équipe nationale, ou encore du Merci Mbokani, qui a laissé un flou sur son avenir en équipe nationale également. Comme il a dit tout à l'heure, il y aura du pain sur la planche pour composer une équipe. Bon, déjà, je pense que on l'a annoncé qu'il y aura déjà une réunion la semaine prochaine dès son arrivée. Je pense que tout peut se décider autour de cette réunion. Qu'est-ce qu'il veut? C'est lui qui va peut-être décider. Il veut voir des joueurs, il veut peut-être repartir avec le même groupe. En tout cas, tout va se décider au cours de cette réunion. Mais je pense que aujourd'hui, Dieu merci, Mbokani n'a rien à gagner encore avec la RDC. Je pense que le plus grand objectif pour lui, c'était peut-être le Mondial. J'avais d'ailleurs entendu quelqu'un dire que le plus grand objectif, c'était de donner la qualification à la RDC et peut-être voir s'il va se rendre à la phase finale ou pas. Mais il est passé. Donner la qualification n'est pas se rendre à la phase finale.
Je me suis dit que c'est aussi impossible. C'est impossible. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'a rien à perdre. Il cherchait cette qualification. C'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé. Pour lui, je peux douter. Mais pour Bakambu, je pense que, voilà. C'est tôt. Il a dit peut-être d'une manière. Sous le coup de la colère. Et puis, c'était confidentiel. C'est sorti sur la place publique. Et puis, il s'est senti obligé, obligé de faire ce message. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'était confidentiel, ce message. Et d'ailleurs, hier, je lisais un post, la responsabilité que nous avons en ayant peut-être certains audios de nos amis, dont le téléphone, pourquoi cet ami a dû transférer ces messages? Parce que c'était confidentiel. On a compris qu'il parlait avec son ami, qu'il appelait frérot. Donc, je pense que Bakambu, vraiment, on doit douter. Il va peut-être revenir sur sa décision. Il a envie, il a d'ailleurs dit dans cet audio, il avait envie d'aider les nouveaux qui venaient d'arriver, les Bastiens et autres, parce que s'ils sont arrivés, c'était peut-être grâce à eux qu'ils sont arrivés dans la tanière. Je pense que c'est pour un temps et il pourra revenir. Moi, je crois qu'il y a un travail de fond qui doit aussi être fait, une communication faite. Les joueurs doivent comprendre c'est quoi l'équipe nationale. Là, je vais au-delà de nom de qui que ce soit, indépendamment de X ou Y. On ne vient pas en équipe nationale pour faire une faveur à l'équipe nationale. On vient à l'équipe nationale pour défendre les couleurs du pays. Je crois qu'un travail de civisme sportif devait être aussi fait pour que chaque joueur, c'est-à-dire qu'il comprenne pourquoi je viens en équipe nationale. Et l'équipe nationale, on regarde en son temps les critères principaux qui faisaient que quelqu'un puisse venir, il doit être au top de sa forme au moment même, peu importe là où il se trouvait. Et je me rappelle même les équipes nationales les sélections que nous avons eues en son temps, il y avait peut-être 2, 3, 4 qui venaient de l'extérieur. La base était faite de ceux qui étaient ici localement. Les joueurs doivent comprendre qu'ils ne viennent pas rendre, ils ne viennent pas aider la nation, non, ils viennent honorer les couleurs. Donc les joueurs, si seulement ça, ces sens patriotiques peuvent revenir au sein de la tanière, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, les joueurs, tu vois quand ils viennent, tu ne sens aucun devoir de redevabilité en eux. C'est comme si, bon, ils viennent sur un terrain déjà conquis. Ils viennent et pourtant, ils tiennent entre les mains l'espoir de tout un peuple. Le sport, comme on le dit toujours en RDC, au-delà d'être le football, d'être un sport, c'est un fait de société en RDC. C'est-à-dire beaucoup, la petite joie que vous apportez, cet espoir-là de la qualification, vous savez combien ça fait du bien à la population d'espérer qu'on peut être qualifié à la Coupe du Monde. C'est un plaisir c'est comme un effet placebo que tout le sport n'amène pas. Mais à la fin, on a des gens qui, on ne sent même pas le sens de responsabilité sur le terrain. Des gens qui ont un problème de responsabilité. Même dans la sélection, on doit aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire de gens qui savent prendre des décisions en tant que personnes eux-mêmes, qui peuvent changer le match. On a vu en son temps de joueurs qui pouvaient à lui-même changer un match sur le terrain. Aujourd'hui, on n'en a plus. On a des gens qui sont juste appelés parce que voilà, ils doivent être là. On ne sent pas le sens de la gagne. Ça vient jouer parce qu'il y a un classement, il y a un match calendrier qui a été proposé, mais on ne sent personne avec la détermination d'aujourd'hui de venir changer les choses. Et puis après, on cherche toujours un bouc émissaire. Aujourd'hui, c'est facile. On peut bien dire Cooper, oui. Il a aussi sa part de responsabilité, mais qu'a fait le groupe? À quel moment on a senti la détermination que ce groupe avait vraiment envie de faire quelque chose? Et puis le match, ce n'est pas seulement ces joueurs qui étaient censés nous apporter la qualification tant attendue. Le match s'est joué à plusieurs niveaux. Il y avait la part de joueurs sur le terrain, il y avait la part de l'organisation. Voilà pourquoi c'était important de faire cette évaluation qu'on n'a pas faite. On attend l'entraîneur venir, on va voir ce qu'il va nous dire. Et pour la prochaine sélection, soyons vraiment conséquents. Ne faisons pas venir n'importe qui pour le besoin de venir. Moi, j'ai plus tendance à penser qu'aujourd'hui, on devrait, bien que le championnat national soit interrompu, qu'on ne se donne pas des grands targets. C'est-à-dire qu'on se dise, on peut même ne pas être qualifié pour la CAN 2023. Construisons pour 2000, je ne sais combien. Bâtissons autour d'un noyau de locaux et auquel on ajouterait des vrais professionnels, parce que les vrais professionnels, la RDC en ce moment, on n'en a pas trop. Olivier Pengongo, est-ce qu'aujourd'hui il est temps d'établir un critère de choix, une liste en tout cas de critères pour pouvoir sélectionner le joueur, puisqu'on sent, on se rend compte que la sélection de joueurs aujourd'hui s'est fait sans pour autant tenir compte de certains critères? C'est quoi qu'il y a ? Il y a une fracture entre la direction technique nationale et les staffs techniques. C'est qu'ils ne,
ne favorise pas la définition d'une politique nationale. C'est-à-dire qu'à un niveau, il faudrait qu'on puisse avoir une idée de ce que ça vaut les talents évoluant au niveau du pays. Quel est le plan de jeu, on va dire, le système de jeu qui est plus facile à assimiler par un Congolais, parce que c'est aussi important pour qu'on sache par quel mécanisme mettre rapide. Parce que le joueur passant tout leur temps au niveau de leur club. Mais aussi longtemps que cet exercice-là posera problème, aussi longtemps que le staff technique, on va dire la direction technique nationale ne sera pas écoutée, il y aura ces problèmes-là. Quand j'insiste aujourd'hui que le signataire du contrat avec Cooper, qui est le ministère des Sports, on va dire le gouvernement représenté par le ministère des Sports, devait s'entretenir avec la direction technique nationale et M. Cooper pour évaluer la faisabilité du projet que Cooper voudrait mettre en place pour faciliter à la RDC de trouver rapidement un fonds de jeu. C'est cela le vrai problème. C'est là qu'on ne sait pas identifier quel jeu la RDC peut produire. C'est ce qui peut permettre à un Cooper de s'imaginer par magie de pondre un 3-5-2 contre une formation marocaine qui est née avec ça. Le Maghreb, c'est le 3-5-2 naturel. Le Congolais, le naturel, c'est le 4-3-3. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux directement un système maghrébin très adapté au club, au pays du Maghreb et même au niveau de club, que de rester sur ce que le Congolais savent mieux faire? Tous ce sont des questionnements qui vraiment nécessitent une réflexion profonde entre le staff technique et la direction technique nationale. Et que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a 35 jours d'un nouveau match, rien n'est fait. Et Cooper va arriver comme magicien, il va s'imaginer tout ce qu'il peut, parce que regroupant le joueur, essayant en deux entraînements, si ça peut prendre forme. C'est risqué, ce n'est pas efficace, parce que ça ne permet pas d'asseoir un plan de jeu. Il faudrait impérativement pour les pays qui aient d'abord ce travail-là, de recherche de fonds de jeu, de bâtir une équipe. Et on ne peut pas bâtir une équipe sans en discuter. Cooper a besoin des avis de ceux qui connaissent ou qui vivent régulièrement avec notre football. C'est là d'ailleurs même le questionnement de savoir quel est l'apport des adjoints. Est-ce que je n'ai jamais entendu, on va dire, personnellement, Daoula être est profond dans ses observations. Il est superficiel. Il ne nous a jamais affirmé qu'ils ont travaillé ça, ça et ça, et ça peut produire ça. Tu sens que Daoula est dans des réserves parce que ce que Cooper va mettre en place, ils n'ont pas forcément discuté pour apprécier à juste valeur si ça correspond au talent qui regorge notre pays. Et pourtant, c'est lui qui fait des listes, si je ne me trompe pas. Bon. Les listes. C'est ça le problème. Mmh. C'est ça le problème. Mais voilà, celui qui s'assoit pour élaborer les listes, mais il n'a pas une idée. Bon, peut-être qu'il en a et qu'il se réserve. Mais nous n'avons jamais lu dans ses propos ou dans ses observations une brèche qui démontre qu'ils ont réellement travaillé un fond de jeu. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a été éliminé, parce que justement Cooper a essayé une magie qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on va rester dans la même logique? Est-ce qu'ils ont échangé avec la direction technique nationale? Il y a un problème sérieux dans ces staffs aussi, les freins linguistiques. Cette exigence d'interprétation, je crois que ça ne facilite pas les échanges. Les Daoula peut-être ont du mal à se familiariser réellement avec l'entraîneur. Parce que la langue était une barrière, il faut passer par un individu pour dire à l'entraîneur quelque chose. Vous comprenez déjà qu'ils ne peuvent pas être sur la même longueur d'onde, même s'ils passaient 5 ans ensemble. Parce qu'avant de parler, s'il faut passer par quelqu'un, je crois que ce n'est pas un moyen facile de communication qui faciliterait la tâche au staff technique, même déjà en interne, de communiquer pour réfléchir fond de jeu. Mais pour vous comprendre, le Congo a fait forcément aujourd'hui, je vais le dire, un choix compliqué. Oui. Mais vous savez, vous comprenez justement. Un choix très compliqué.
Un choix compliqué par rapport à la langue, justement. Oui. C'est sur ça que je voulais rebondir. Vous avez été interprète dans l'Iceway Club avec Chris Olonglin. Est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir un coach qui ne parle pas la langue comprise par ses joueurs? En fait, le football est dynamique, le football est en train d'évoluer. Ça aurait été un problème si nous serions le seul pays au monde qui passe par ça, ou pas le seul club au monde. Il y a des grands clubs aujourd'hui ou des grandes sélections qui ont des entraîneurs qui ne parlent pas la langue. On voit Sampaoli à Marseille. Okay. Il ne parle pas français, mais on lui a mis un entraîneur, un interprète qui de surcroît connaît les réalités ponceiennes et qui connaît aussi, qui s'y connaît dans le domaine, qui l'aide vraiment. Moi, je crois que le vrai problème, le langage ici n'est vraiment pas un vrai problème, parce que à partir du moment où la personne sait interpréter, sait bien transmettre le message à la cible, qui pour la plupart, sans manquer de respect à qui que ce soit, nos joueurs, quand ils viennent, même ceux qu'on appelle les internationaux, ont un problème d'instruction. Ils se retrouvent là-bas parce que Dieu a fait grâce qu'ils jouent en Europe. Mais beaucoup ont du mal à être concentrés. Ceux qui sont venus d'ici. Oui, ceux qui sont venus d'ici. Même ceux qui sont là-bas, je doute fort qu'on a 10 en main comme ça, qui ont reçu une instruction digne de ce nom. Ce n'est pas leur manquer de respect. Déjà, ce profil de joueur a besoin d'un problème, soit de concentration, soit un problème de transmission de messages. À des personnes comme celle-là, il faut mettre des gens qui savent faire passer le message. Je parle de mon expérience au sein de l'ASV Club. J'avais un entraîneur qui ne parlait que anglais et de joueurs qui ne parlaient que le lingala pour la majorité, et un comité qu'il fallait gérer parce qu'ils avaient besoin de comprendre aussi l'entraîneur. Donc, étant quinois de souche, connaissant les réalités de notre football, c'était facile pour moi de transmettre le message, même en lingala. Même les frustrations de l'entraîneur. L'entraîneur pouvait être frustré, lancer un mot pas décent à l'égard de joueurs. Ce mot-là n'arrivait pas comme il se doit. J'ai transmetté la frustration de l'entraîneur en utilisant les mots adéquats parce que je connais la mentalité. Il suffisait que je dise que vous êtes des incompétents joueurs. Ça aurait, donc il y a toute une stratégie communicationnelle qui était mise en place derrière pour qu'on réussisse l'aventure, la preuve en eux. On est arrivé en quart de finale où on est allé en Angola. On a été éliminé dans les circonstances que vous connaissez contre, je ne sais plus c'était quelle équipe, ou un gardien, un ancien de Vita qui jouait. On a raté un but. On était même dans le doute entre faire match nul, on était qualifié ou quoi. Donc, bref, vous avez été qualifié. On a été éliminé. Oui. C'est-à-dire que le problème de communication n'est pas vraiment le vrai problème, parce que le football évolue. Il y a des méthodes qui sont mises en place aujourd'hui pour que l'entraîneur qui ne parle pas forcément la langue puisse bien faire son travail. Moi, je parlerai de responsabilité. J'ai fait une étude. Les entraîneurs congolais ont un problème de personnalité. Encore une fois, je ne dis pas ça pour critiquer ou parler du mal d'eux. Ce sont des personnes Et plus organisées que nous, en tout cas en termes d'organisation. C'est une équipe qui est bien structurée, bien organisée, pas techniquement, mais les à côté de leur gestion. Et le Soudan, pour moi, c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes aux équipes congolaises. Mais on peut dire aussi qu'on a un léger ascendant sur eux. Mais si on ne s'y prend pas bien, on risque de ne pas passer. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on prenne tout au sérieux et qu'on s'investisse pour vraiment faire l'essentiel. Voilà, en ce qui concerne le tirage au sort. En ce qui concerne l'effectif, moi, je suis pour le renouvellement de l'effectif, mais je suis pour un renouvellement échelonné. Parce que si on veut, comme j'entends la plupart des gens demander un changement radical, si on veut aller dans ce sens-là, je crains qu'on puisse plus déséquilibrer l'équipe en essayant de tout changer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on injecte au fur et à mesure de la compétition des joueurs qui seront prêts pour une éventuelle participation à la CAN. Donc, moi, je suis pour l'échelonnement de l'effectif. Alors justement, parler de cet effectif, il faut non plus tout recommencer, puisque s'il faudrait tout recommencer, tout changer, on va répartir des zéros. Exact. Donc il faudrait maintenant essayer de miser sur l'avenir. Quand on parle d'avenir dans cette sélection, on peut voir Edo Kayembe,
On peut voir Samuel Bastien, voilà, donc des joueurs qui sont jeunes, qui viennent d'arriver, qui promettent. D'ailleurs, on a vu que ce sont des joueurs qui ont la confiance de d'Hector Raúl Cooper. Aujourd'hui, on peut Déjà lors du match aller, il était bon. Exactement. Aujourd'hui encore très bon. Donc ça, c'est quand même un joueur qu'on peut également miser et l'intégrer dans l'effectif, même s'il n'aura pas beaucoup de matchs, mais on peut l'intégrer pour préparer cet avenir. On a d'Ernest Luzolo qui sont ici au pays, qui peuvent faire mieux. Donc aujourd'hui, miser des joueurs qui peuvent rester dans cette sélection pendant 5 ans. Mettons une histoire de 5 ans. Miser sur ces joueurs-là pour bâtir une génération.